Oui, c'est un très bon résultat pour nous. C'est vrai qu'en deux déplacements, on prend 4 points, donc c'est sûr qu'on aurait signé dès demain pour ces deux résultats. Ce soir, on a encore fait preuve de courage. Voilà, on avait décidé de repartir un peu dans la même organisation que la semaine dernière pour les jouer en contre. Mais en mi-temps, c'est vrai qu'on a une petite situation. On a mal ressorti le ballon, je dirais, on a eu mal à la conserver, mais malgré tout, on n'était pas en danger. Et c'est dommage de prendre ce but qui vient d'une touche où on n'est pas attentif. Et à l'arrivée, on se fait punir. Voilà, mais après, on a repassé dans un schéma classique, on va dire, et bon, on a retrouvé les ressources pour aller chercher cette égalisation. Donc c'est bien. Donc à l'extérieur, on récolte beaucoup de points. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on en récolte à domicile. On aura un gros match le week-end prochain contre un concurrent direct. Où voilà, les 3 points seront l'objectif. Le vrai leader de défense qu'on avait sur ces derniers temps, là, et bon, il a ressenti une gêne. J'avais déjà ménagé cette semaine en séance, mais là, bon, il avait trop peur que ça pète. Et on a voulu le préserver. Ouais, tout est possible, mais bon, déjà un point pour nous, c'était déjà bien. On sentait qu'on aurait presque pu faire la différence sur la fin de match, sur une nouvelle situation. Maintenant, voilà, ils en ont eu aussi quelques-unes où David, mon gardien, fait encore deux ou trois beaux arrêts. Mais les deux situations qui se procurent, c'est venant de touche et voilà, où on n'est pas attentif, on n'est pas en place correctement, et ça aide qu'on fasse attention.